Une affaire fait beaucoup parler en ce moment même aux États-Unis. Il s'agit d'une mère qui a torturé à mort son fils malade. Et lorsqu'on lui montrera, au tribunal, les photos de la dépouille de son enfant qui est mort de faim dans une terrible agonie, elle vomira à la barre. Et ces images sensationnelles feront le tour du monde. Le procureur en charge de l'affaire dira, je cite, que « les détails qui entourent la mort du garçon sont horribles, troublants et inimaginables ». Et croyez-moi, c'est peu de le dire. Vous l'aurez compris, dans cette vidéo, nous allons parler de maltraitance infantile. C'est un sujet difficile qui peut ne pas correspondre aux plus sensibles d'entre vous. Soyez vigilants et n'hésitez pas à switcher de sujet. Découvrez aujourd'hui la triste histoire de Timothy Ferguson. Vous avez été nombreux au fil des ans à nous dire que vous nous écoutiez en faisant le ménage, big up à une youtubeuse qui se reconnaîtra, ou en voiture, etc. Vous pouvez désormais nous retrouver en podcast sur toutes les plateformes d'écoute, Apple Music, Spotify, Deezer, Amazon, et même ici sur YouTube dans l'onglet podcast. Nous allons convertir nos sujets existants et plus tard, des sujets inédits suivront. Alors restez connectés et go nous apporter de la force les amis. Les liens sont en barre d'infos. Allez, direction le Michigan aux États-Unis. Le mercredi 6 juillet 2022 au matin, les secours sont appelés au domicile de la famille Van der Ark, située dans la ville de Norton Shores. L'un des enfants ne respire plus, il lui faut des soins médicaux de toute urgence. En arrivant, les secours ne peuvent que constater le décès de l'enfant. Il s'agit du petit Timothy Ferguson. Il gît inerte sur son lit. Les secours pensent au départ, vu la taille de la dépouille, qu'il s'agit là d'un jeune garçon, mais en réalité, il a 15 ans. Et ce qui porte à confusion, c'est sa maigreur affolante. Le pauvre ne pèse que 30 kilos. La mère, Shonda, sent bien que les secouristes tiquent. Alors elle explique que son fils, handicapé mentalement, a fait une grève de la faim. Impossible de lui faire manger quoi que ce soit, et il en est sans doute mort. Mais elle pourra bien dire ce qu'elle veut, les secouristes appellent les policiers. Policiers qui suspectent des mauvais traitements. Les deux personnes présentes au domicile, Shonda, 42 ans, et le grand frère de Timothy, Paul, âgé de 19 ans, sont rapidement interrogés sur place et les lieux sont également capturés en images, les policiers ayant des bodycams sur eux. Étonnés, les policiers constatent qu'il y a des caméras partout dans la maison. On en dénombre 5, il y en a même dans la salle de bain. Il y a aussi des détecteurs de mouvement et des verrous qui sont disséminés, ça et là. La porte du frigo en était équipée et comme l'enfant est a priori mort de faim, les policiers font directement le lien avec ces cadenas de frigo. Et devant l'une des portes, au sous-sol, sous l'escalier, il y a une alarme. Si quelqu'un sort de la pièce, elle se déclenche. Les policiers poussent alors la porte et ils se rendent compte que c'est un placard crasseux avec une bâche qu'on a jetée par terre. Et vous l'aurez sans doute déjà deviné, les policiers découvriront plus tard que ce placard était devenu la chambre de Timothy. Il y était enfermé, c'était sa prison, prison qui deviendra son cercueil. Et d'ailleurs, en regardant les photos, j'ai cru que la bâche était un sac de couchage dézippé, mais non, à croire que le pauvre enfant ne méritait même pas une couverture. Et encore une fois, comme la mort de Timothy ne semble pas naturelle, le corps est envoyé chez le médecin légiste. On apprendra un peu plus tard ses conclusions et elles sont sans appel. Timothy est mort de faim et d'hypothermie. Une hypothermie qui lui a été fatale en raison de son état de malnutrition sévère. En plus de ça, il a des ecchymoses sur certaines parties de son corps. Ça ne fait aucun doute pour le légiste. Ce sont les mauvais traitements qu'a subi l'enfant qui ont précipité sa mort. Il écrira noir sur blanc qu'il s'agit là d'un homicide. Une enquête pour meurtre est alors diligentée. Les policiers vont alors cueillir Paul et Shonda pour les interroger plus longuement et en parallèle, la maison est perquisitionnée pour une fouille plus méticuleuse. Et pour les enquêteurs, ça ne fait plus aucun doute. C'est un cas flagrant de maltraitance infantile. En faisant une enquête de voisinage, les policiers se rendent compte que personne n'a jamais vu Timothy, ni même eu connaissance de son existence. Et la raison est simple, Shonda le cachait au sous-sol. Et ce que vont découvrir les enquêteurs fait froid dans le dos. Le traitement qui a été réservé au petit Timothy est si cruel que l'affaire fera scandale à l'époque et qu'elle sera relayée par tous les médias du pays et par nombre de médias du monde entier. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Timothy n'est pas un enfant comme les autres. Il souffre d'autisme dit de haut niveau.
il y a trois niveaux, je ne sais pas si c'est le niveau 2 ou le niveau 3. Si certains s'y connaissent, peut-être qu'avec les explications que je vais vous donner, vous serez capable de me dire si c'est un niveau 2 ou 3. En tout état de cause, il a un important trouble du langage, mais pas que, il a des troubles de la motricité et cerise sur le gâteau, il présente un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, aussi appelé TDAH. Alors il a des besoins très spéciaux et il nécessite beaucoup plus d'attention qu'un autre enfant. Allez demander aux parents qui ont des enfants TDAH, ils vous expliqueront à quel point c'est difficile de s'en occuper. Alors c'est toujours difficile de s'occuper d'enfants en règle générale, mais encore plus dans ce type de cas. Ils sont souvent à bout de force, car ce sont des enfants difficiles à canaliser, avec un trop-plein d'énergie, de grandes difficultés à se concentrer, à tenir en place le temps d'une simple activité, sans compter l'impulsivité qui les caractérise. Ils sont un peu considérés comme des enfants terribles, voire mal éduqués quand le diagnostic n'a pas été posé. Alors que non. Et pareil pour certains enfants autistes, même si ça varie d'un enfant à un autre. Et depuis qu'il est petit, c'est son père biologique qui en avait la garde, un certain Eric Ferguson. On ne connaît pas son âge, c'est le premier mari de Shanda, bien avant Adam, qui était au moment de l'arrestation son mari actuel. Shanda et Eric s'étaient séparés alors que Timothy était haut comme trois pommes, et ils avaient convenu que c'était le père qui s'occuperait de lui, et vous verrez pourquoi plus tard, et Shanda était bien contente à vrai dire de s'en débarrasser à l'époque déjà. Et donc, alors que le petit vit chez Eric depuis de longues années, début 2021, Eric a appelé Shanda. Il lui a dit de venir récupérer Timothy, il ne peut plus le garder. Pourquoi, je ne sais pas, il y a des journalistes qui ont essayé pourtant de le retrouver et de l'interroger, mais ils n'ont pas pu. Shanda n'est pas d'accord, elle ne veut pas de Timothy, ce à quoi Eric lui répond que si elle refuse, il le confiera aux services sociaux, en d'autres termes, il va l'abandonner. Shanda est bien ennuyée, elle tente par tous les moyens de négocier avec son ex-mari, mais il est déterminé, alors elle n'a pas le choix, le petit vient donc s'installer à son domicile. Nous sommes alors le 27 mai 2021. À l'époque, Adam van der Ark, le mari de Shanda, le beau-père donc de Timothy, habitait encore à la maison. Il y avait aussi Paul, le grand frère de Timothy, grand frère biologique, et le demi-frère de Timothy, le petit dernier, qui est appelé G par les médias, il est âgé de 5 ans. C'est le fils biologique d'Adam van der Ark. Et au début, tout se passe bien. Quand Timothy arrive, il est bien portant, voire même, selon Paul, un chouï potelé, mais rien de grave. Mais la réalité, c'est que Shanda, elle n'aime pas son fils. Voilà, c'est comme ça, il y a des femmes qui n'ont pas la fibre maternelle, mais au-delà de ça, elle a honte de ce fils pas comme les autres, elle semble littéralement le détester. Alors, comme je vous le disais, elle va le cacher, le planquer à la maison, et pour ce faire, elle le scolarise à domicile. Elle n'a parlé de son arrivée à personne, pas même aux nombreux frères et sœurs de Timothy, ni même à ses grands-parents. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, Timothy était sincèrement aimé par sa famille. Et je ne sais pas comment Shanda s'y est prise, parce que si Timothy n'était plus avec son père, il était forcément avec elle. Mais il semblerait que les enfants biologiques d'Eric avaient déménagé, ils n'habitaient pas avec ses enfants, et que nombre d'entre eux étaient en conflit avec Shanda. Mais au-delà de tout ça, tout semble à peu près normal, Timothy a même un lit, il mange à sa faim, et rien d'étonnant qu'il soit au sous-sol, puisque c'est un sous-sol aménagé et les chambres des enfants sont en bas. Mais les choses vont basculer 7 mois après son arrivée, en janvier 2022, date à laquelle Adam, le beau-père, tombe malade, il est obligé de déménager. À partir de là, c'est le début de la fin pour Timothy. Sans doute, Shanda s'était-elle canalisée grâce à la présence d'Adam. Adam qui, précisons-le, était déjà très malade avant son AVC. Le pauvre livrait une bataille acharnée contre la leucémie. Leucémie qui le détruisait toujours un peu plus chaque jour. Alors parfois, il était là sans être là. Et si on se met à la place de Shanda, autant le faire tout de suite, puisqu'après vous verrez, vous en serez tout simplement incapable. Eh bien, avec un mari très malade, un enfant polyhandicapé et un enfant de 5 ans à gérer, on peut imaginer qu'elle devait avoir quand même une sacrée charge mentale. Et donc, une fois Adam parti, Shanda va se déchaîner et faire preuve d'un sadisme incroyable. Et petite parenthèse, pendant que les policiers découvraient toute l'ampleur des maltraitances, elle jouait à la mère éplorée, celle qui ne comprend pas, celle qui a fait tout son possible pour protéger son enfant, ô combien difficile, car malade.
Mais les preuves sont si accablantes que seulement deux jours après la mort de Timothy, le vendredi 8 juillet 2022, elle sera inculpée de meurtre et de maltraitance d'enfants au premier degré, et ce, sans caution. Et sachez que si on en sait autant, c'est que par chance, en fouillant dans les téléphones de Paul et Shanda, les enquêteurs vont découvrir une conversation SMS qui témoigne, presque jour après jour, de la lente descente aux enfers de Timothy. Tout y est consigné puisque les deux avaient des horaires de travail décalés et ils conversaient régulièrement. Il apparaît que les deux se relayaient pour persécuter l'adolescent. Ses moindres faits et gestes étaient traqués, de jour comme de nuit. Shanda ne laissait aucun répit à son fils, comme si son but c'était de le briser. De le briser chaque seconde de sa pauvre vie. Et c'est donc Paul qui prenait le relais quand elle était au travail et la plupart du temps sur ses ordres. Elle lui disait quoi faire et il le faisait. Et elle contrôlait tout à l'aide de l'application des caméras directement sur sa montre connectée. Caméra qui n'était disposée que sur l'itinéraire de Timothy. Les endroits où il ne pouvait pas aller étaient dénués de caméras ou de détecteurs. Et donc voici ce qu'il s'est passé. Et j'insiste les amis, c'est un cas difficile. N'ayez pas honte d'abandonner cette vidéo en cours de route et n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'explique pourquoi à la fin. Je précise bien que c'est pas un call to action pour le référencement. Et donc à partir du moment où Adam quitte la maison, en janvier 2022, Timothy ne mettra plus un pied dehors. Il le pouvait encore avant le déménagement, vous verrez, je vous expliquerai plus tard. Désormais c'est terminé, exception faite des rares fois où il a été autorisé à sortir les chiens, mais pas dehors, non, dans la cour, à l'arrière, à l'abri des regards. Déjà il ne fera plus ses devoirs dans un endroit décent, mais par terre, au pied de l'escalier, au sous-sol. Devoirs qui ne seront bientôt qu'un lointain souvenir. De toute façon, c'est du pareil au même, parce que du fait de son TDAH et de son autisme, Timothy était incapable de se concentrer très longtemps. Alors le laisser seul avec une tablette, c'est une mascarade. Il ne pouvait rien apprendre sans l'aide d'un adulte. Et puis le mois suivant, en février, Shanda va passer à la vitesse supérieure. C'est la première fois dans la conversation entre la mère et son fils qu'il ait fait état de privation de nourriture. Il s'avère que le petit Timothy a volé plusieurs fois quelques bonbons dans le garde-manger. Paul a alors dit à sa mère dans les SMS qu'il volait, je cite, « furtivement de la nourriture alors que ce n'était pas nécessaire ». Shanda décide alors qu'il faut punir Timothy. Il vole de la nourriture en cachette, ça l'amuse de manger dans son dos, eh bien il ne mangera plus. Ça lui servira de leçon. Et pour avoir la garantie que Timothy n'ait rien à se mettre sous la dent, pas même une miette de pain, elle va installer des cadenas sur le frigo, le congélateur et sur chacun des placards contenant de la nourriture. Dès lors, c'est elle qui décidera quand il mangera et même quand il boira de l'eau. Au menu, quand elle daigne nourrir son fils, qu'elle autorise Paul à le faire, c'est pain au tabasco. Oui, oui, on lui servait du pain gorgé de tabasco. Parfois, on l'obligeait même à en boire directement au goulot. Alors ça a brûlé la bouche de Timothy. Et je précise que son autisme entraînait une perception sensorielle très différente du commun des mortels. Dans son cas, tout était décuplé. Alors si le tabasco vous fait mal à vous, imaginez la douleur qu'a pu ressentir l'enfant. Ce qui explique que même affamé, même agonisant, il n'en voudra jamais. Alors on le lui fourrait de force dans la bouche. Et ensuite seulement, il avait le droit de manger. Mais avant de manger quoi que ce soit, il devait toujours et sans exception passer par la case tabasco. Et il mangeait toujours la même chose après ce pain au tabasco. C'était un morceau de pain normal. Et les jours de fête, c'est-à-dire les jours où Shanda était de bonne humeur, il avait le droit à du riz nature. L'eau, c'est pareil, il doit demander et c'est quand elle veut et si elle le veut. Et pour être sûr qu'il n'ira pas se servir tout seul, d'après Shanda pour le discipliner et pour sa propre sécurité, eh bien elle va l'installer dans le placard au sous-sol. C'est un sous-sol, comme je vous le disais, aménagé. Il y avait pourtant un lit superposé de libre tout à côté, le lit où dormait Timothy. Mais non, il sera donc juste là, à côté, mais dans le placard, avec la fameuse bâche en guise de couverture. Et pour le surveiller 24 heures sur 24, elle va installer 5 caméras, avec notamment une caméra dans le placard, une à l'extérieur du placard, une dans la salle de bain, la cuisine, etc. Elle va aussi installer des détecteurs de mouvement, en sachant que la plupart des caméras étaient déjà équipées de détecteurs de mouvement. Et dès que l'un de ces appareils détectait un mouvement, Paul et Shanda recevaient une notification
Et comme ils avaient des horaires décalés, il y avait la plupart du temps toujours quelqu'un à la maison pour le corriger. Et sachez que Paul, un an avant, n'avait pas hésité à demander en cadeau d'anniversaire sur sa page Facebook à ce que ses contacts, plutôt que de lui offrir un cadeau à lui, offrent de l'argent à une association contre la faim qui vise à aider les enfants en état de malnutrition du monde entier, parce que vous comprenez, c'est triste, un enfant qui a faim. Ça ne l'empêchera pas d'agir activement dans la privation de nourriture de son propre frère. Mais ce n'est pas assez aux yeux de Shonda. Elle va aussi fixer un détecteur de mouvement directement sur Timothy. Elle va l'accrocher au passant de son pantalon. Ce détecteur n'était pas utile, il y en avait déjà partout. Non, elle faisait ça uniquement dans le but de torturer son fils. S'il faisait le moindre mouvement, le détecteur vibrait et une alarme se déclenchait. Et du fait de sa condition, Timothy avait une ouïe très sensible. C'est comme ça, les autistes peuvent être hyposensibles au bruit ou hypersensibles. Pareil pour la lumière. Timothy, lui, était entre autres hypersensible au bruit. Alors le bruit de cette alarme, ainsi que les vibrations sur son corps, en plus d'être difficilement supportable, eh bien ça lui faisait perdre tous ses repères et ça le plongeait dans une grande détresse. C'est compliqué, sachez-le, parfois pour un autiste d'associer les informations visuelles et auditives. Et ça, Shonda le savait. Elle savait tout le mal qu'elle faisait à son fils. Vous verrez, c'est une femme brillante et extrêmement cultivée. Elle savait exactement ce qu'elle faisait et comment utiliser les pathologies de son fils pour le faire souffrir davantage. Et ce n'est pas tout. Souvent, quand Timothy réussissait à dormir et que Paul ou Shonda étaient disponibles, on le réveillait. Comme ça, sans raison. Pourtant, si son fils était aussi difficile qu'elle le disait, lorsqu'il dort, en principe, elle devrait être contente d'avoir la paix. Comme les parents qui ont des nouveau-nés, par exemple. Ils ne se reposent que quand l'enfant dort et en profitent pour vaquer, par exemple, à leurs occupations ou carrément eux-mêmes dormir. C'est un moment de répit pour les parents. Mais non, c'est elle qui allait le chercher, sans raison. Alors qu'il était silencieux dans son placard. Et la conséquence directe de tout ça, c'est que Timothy a commencé à se faire pipi dessus. Alors on lui a fait porter des couches pour adultes. Et s'il voulait aller aux toilettes, c'était avec la permission de Shonda, et toujours sous la surveillance de Paul ou elle. Et le pauvre était chronométré sous peine de punition. C'était 1 minute pour le pipi et 2 minutes pour le popo. Il était filmé aux toilettes, et quand Shonda n'était pas là, elle veillait au grain à distance depuis sa montre connectée aux caméras, et elle comptait les secondes. Au moindre dépassement, ne fût-ce que d'une malheureuse seconde, il était puni. Et vous l'aurez compris, il était puni finalement pour un oui ou pour un non. Shonda avait instauré des règles qui étaient tout simplement impossibles à respecter. Et voici un petit florilège de l'imagination démoniaque de cette femme en termes de punition. Comme Timothy était affamé, il avait de moins en moins de force et de moins en moins d'énergie. Il fondait comme neige au soleil. N'importe qui aurait donné l'alerte en le voyant se décharner aussi vite, mais les voisins ne le croisaient jamais. Pareil pour ses demi-frères et sœurs. Comme je vous l'ai déjà dit, ils étaient tous dispatchés dans d'autres états. Et comme je vous le disais, la plupart étaient en conflit avec Shonda. Alors imaginez à quel point elle devait être toxique pour ses enfants pour que presque tous se détournent d'elle. Et s'ils avaient su que Shonda avait récupéré la garde de Timothy, s'ils avaient su ça, sans même voir le petit, ils auraient immédiatement prévenu la police et vous comprendrez pourquoi plus tard. Donc pour le punir quand elle n'était pas satisfaite de son comportement et sans doute pour l'épuiser au maximum, il devait aller dans l'arrière-cour. Et il devait monter et descendre les marches du patio en courant et sans s'arrêter. Et s'il ne courait pas assez vite ou qu'il avait le malheur de s'arrêter, Paul était chargé de le poursuivre et de lui faire peur pour qu'il coure plus vite. Une fois, le pauvre avait eu une diarrhée. Il s'était fait dessus. En même temps, c'est pas très étonnant. Souvenez-vous, on lui bloque l'accès aux toilettes. Alors pour le punir, on l'avait envoyé nettoyer le garage sans pantalon. Et elle l'a également forcé à boire de l'eau salée pour je cite, « ne pas lui donner une excuse pour aller s'asseoir sur les toilettes à cause de sa diarrhée ». Voilà, c'est ce que j'ai lu. C'est ce que j'ai traduit, plutôt. J'ai cherché à en savoir plus pour mieux comprendre l'épisode de la diarrhée, mais je n'ai pas trouvé de source écrite, et j'avoue que ça me prendrait beaucoup trop de temps pour visionner l'ensemble du procès. Alors si quelqu'un sait quelque chose à ce sujet, n'hésitez pas à me le dire. D'autres fois, il était puni dans son placard directement. On lui faisait, par exemple, mettre les mains sur la tête. Et il ne devait pas bouger. Il était surveillé
par les Thénardier via webcam. Et ça a duré des heures. Et je dis bien des heures, je n'exagère pas. Je sais pas comment il a fait avec l'engourdissement, avec une telle position, mais il y arrivait. D'autres fois, toujours dans son placard, on le mettait au coin sur les genoux face au mur. Et il devait rester comme ça des heures durant, sur ses pauvres genoux endoloris. Paul a expliqué qu'une fois, il était resté comme ça toute la nuit. D'autres fois, c'était debout. Et d'autres fois encore, on lui faisait faire l'exercice de la chaise. Vous devez faire semblant d'être assis sur une chaise, le dos contre un mur, et tout votre poids repose alors sur vos jambes. Moi, personnellement, avant, même pas aujourd'hui, je sais pas combien de temps je tiendrai aujourd'hui, mais je pouvais pas faire 45 secondes. Bon, je faisais jamais d'exercice, mais je pouvais pas. Puis un jour d'avril, alors qu'il était affamé et torturé depuis presque 3 mois, Timothy a réussi à échapper à la vigilance de ses tortionnaires. Il s'est glissé dans la cuisine et dans la poubelle, il a trouvé une vieille croûte de burger. Mais comme il est surveillé H24, Paul s'en est rendu compte. Il a alors prévenu Shanda, qui était alors au travail, et elle lui a alors dit de lui faire vomir cette pauvre croûte. Et ça, c'est arrivé 3 ou 4 fois. Alors, soit Timothy était de bonne volonté et il mettait lui-même les doigts au fond de sa gorge, soit Paul était chargé de le faire. Et toujours en avril, et probablement à cause de tout ce qu'il endure, quotidiennement, Timothy a complètement craqué. Il était devenu comme fou, il a couru dans la cuisine et a arraché compulsivement les cadenas, il était comme en transe. Imaginez le désespoir de cet enfant. Ce n'est pas pour rien que la privation de nourriture, plaît à la privation de sommeil, à un trop-plein d'exercices, eh bien, ça fait partie de l'un des classiques de la torture. Et qu'à cela ne tienne, Shanda finira par attacher les mains de Timothy avec des colliers de serrage. Vous savez, ceux qu'utilisent les vigiles à l'entrée des magasins pour fermer les sacs et empêcher les vols. Puis elle en aura marre d'en racheter, alors elle investira dans une paire de menottes et des chaînes. C'est plus pratique comme ça. Allez, autre exemple. Et je vais simplement vous lire un exemple de SMS qu'envoyait Shanda à Paul quand elle n'était pas là. Et d'ailleurs, on parlera de Paul plus tard. Vous verrez à quel point les choses sont plus complexes qu'elles n'en ont l'air. Elle a écrit, je cite, « S'il te plaît, Paul, avant de sortir, assure-toi de descendre régulièrement au sous-sol pour t'assurer que Timothy ne s'endorme pas. Peut-être qu'on devrait laisser la lumière allumée. De cette façon, il aura plus de mal à s'endormir et n'hésite pas à lui jeter de l'eau froide. Honnêtement, je m'en fiche que tu sois dur avec lui. » Et bien sûr, Timothy était hypersensible à la lumière. Une simple lumière d'ampoule laissée trop longtemps, ça devenait pour lui comme un énorme projecteur braqué sur lui. Dans un autre SMS, les deux ont parlé de l'état de Timothy et on en conclut qu'il simulait sa souffrance. Reprenons les punitions, l'une des plus terribles, et c'est arrivé 3 ou 4 fois d'après Paul, c'est le bain glacé. Quand Shanda le décidait, Paul devait remplir la baignoire d'eau froide. Il devait retirer tous les glaçons du congélateur pour les mettre dans la baignoire. Et Timothy devait y rester assis 30 minutes. Shanda n'en ratait pas une miette depuis sa montre connectée, parce qu'elle n'était pas là. Elle le regardait convulsé de froid. Mais ce n'est pas tout, le pauvre n'avait pas le droit de se mettre à l'aise dans le bain. Il fallait qu'en plus du froid, sa position le fasse souffrir. Alors il était placé dans des positions inconfortables. Voilà, on essayait de trouver des positions un peu abracadabrantes pour que ce soit extrêmement douloureux pour lui finalement. Et s'il essayait en plus de ça de poser par exemple sa tête sur son épaule ou simplement sur le rebord de la baignoire, il était frappé et redressé par Paul. Et pendant tout ce temps, à vrai dire depuis qu'il a mis les pieds chez Shanda, jamais Timothy ne verra de médecin. Il était pourtant sous médication pour son TDAH parce qu'il était chez son père. Mais Shanda a arrêté de lui donner son traitement, or, encore une fois, ça canalise l'enfant. Alors encore une fois, s'il était si difficile que ça, si c'était un enfant insupportable, pourquoi ne lui a-t-elle pas donné son traitement? Donc avec de tels mauvais traitements, dès juin, soit 3 semaines avant sa mort, Timothy n'avait plus que la peau sur les os. Et Paul s'est inquiété. Le 13 juin, il a envoyé un MMS à sa mère qui était au travail, avec une photo de Timothy, lui disant que sa maigreur était inquiétante et qu'il devrait manger un morceau. Shanda a accepté, mais juste un morceau de pain avec du beurre de cacahuète. Mais pour une fois, Paul va désobéir à sa mère, il va en cachette en plus de ce sandwich, lui faire des œufs brouillés et lui donner du fromage. Et d'ailleurs, selon le légiste, Timothy était déjà mourant les semaines et jours ayant précédé sa mort.
Il était dans une lente agonie, dans un état de délabrement qui aurait brisé le cœur de n'importe qui, mais pas celui de Chanda. Elle n'a pas été touchée une seule seconde, elle a même redoublé de violence et de privation, puisque, souvenez-vous, selon elle, il en fait des caisses. Ce qui nous amène à la veille de la mort de Timothy. Nous sommes alors le mardi 5 juillet 2022. Comme chaque jour, Paul est parti réveiller son petit frère. Il était alors 14h, et habituellement, Timothy se réveillait sans trop de problèmes. Mais ce jour-là, impossible de le réveiller. Il est comateux, il est là sans être là, exactement comme Francis, l'alpiniste. Souvenez-vous, lorsqu'elle a été trouvée agonisante, ça c'est pour ceux qui ont vu notre sujet sur l'Everest. Exactement la même chose. Ils sont là, mais ils sont déconnectés de la réalité, et puis de toute façon, ils n'ont plus toute leur tête, ça y est. Ils sont en train de partir en réalité. Donc Paul prévient sa mère, elle est furieuse. Alors pour le punir et le réveiller, elle demande à Paul de lui préparer un bain d'eau glacée. Alors Paul s'est exécuté, il a rajouté des glaçons, mais Timothy était incapable de marcher. Alors Paul le traînera par terre jusque dans la salle de bain. Et le pauvre était si maigre qu'il aurait pu être facilement porté. Mais non, on le traîne comme un sac poubelle. Et lorsqu'on le traîne par terre, Timothy n'a aucune réaction. Il n'est pas dans le coma encore une fois, il a les yeux bien ouverts mais il est incapable de parler et ne réagit à rien. On le place dans le bain et comme toujours dans une position inconfortable, vous connaissez désormais la chanson, mais Timothy ne réagit toujours pas et il est incapable de rester dans cette position. Paul écrit à sa mère, qui était alors au travail, pour lui dire « Et tout ce temps, comme à chaque fois qu'il a la punition du bain glacé, il est battu par Paul. Paul n'aura de cesse de le frapper à la tête. Et comme il ne réagit toujours pas, Chanda va dire à Paul d'aller prendre une pizza roll dans le congélateur. Les pizza rolls, c'est pizza roulée, si vous voulez. Le but, agiter de la nourriture sous son nez pour voir s'il réagit. Au début, Timothy ne réagit pas. Puis finalement, ce morceau de nourriture finit par capter son attention. Pour la première fois, il réagit et rassemblant ses dernières forces, il essaye tant bien que mal d'en croquer un bout. Mais juste avant qu'il ne le croque, comme le lui avait ordonné Chanda, Paul le lui a retiré. Hors de question qu'il mange ce morceau de pâte, cru et congelé. Et pour Chanda qui a assisté à tout ça en direct depuis sa montre, c'est la preuve que Timothy simule. Alors, elle veut le punir. Elle demande à Paul de le sortir du bain. Alors Paul s'est exécuté, mais Timothy était si faible qu'il s'est écroulé. Et Paul n'a rien fait pour l'aider, résultat le pauvre s'est violemment cogné la tête contre le carrelage. Et une fois sorti du bain, Chanda a dit à Paul de lui verser de la sauce piquante sur les parties intimes. Mais Paul a refusé. Et Paul, qui devait partir au travail en milieu d'après-midi, n'a pas pu, la roue de son vélo ayant un problème. Alors Chanda lui a dit qu'à son retour à la maison à 18h, elle l'accompagnerait au travail en voiture. En attendant son retour, Timothy doit rester dans le bain. Le pauvre Timothy est donc resté dans ce bain de 14h à 18h. Mais n'allez pas croire qu'il sera sorti du bain au retour de Chanda. Non. En allant le voir, Chanda a dit qu'il était, je cite, « pathétique ». Et donc il sera laissé là, agonisant dans son bain, pendant que Chanda accompagnera Paul au travail. Et puis de toute façon, tant pis s'il se noie, j'imagine. C'est possible hein, de se noyer dans rien. Il suffit de tomber un petit peu et puis de se retourner et un rien d'eau peut vous noyer si vous n'avez pas la force de vous sortir de là. Et quand Chanda est rentrée après avoir accompagné Paul au travail, elle a laissé Timothy dans la baignoire. Elle ne l'en sortira qu'à 23h30, on le sait, puisqu'elle a prévenu Paul. De 14h à 23h, ça veut dire qu'il a été laissé presque 10 heures dans ce bain. Dans quel état était-il quand Chanda l'a sorti du bain? On ne sait pas, puisque Chanda dira ne plus se souvenir de rien. Elle fait partie de ces suspects qui sont soudainement frappés d'amnésie. Quoi qu'il en soit, à 1h30 du matin, lorsque Paul, qui a été raccompagné par un collègue, rentre à la maison, il part directement se coucher. Et ce, sans même aller vérifier l'état de Timothy, qui était pourtant juste là, juste à côté de sa chambre. Et Chanda, elle, dormait sur ses deux oreilles. Puis, au matin, c'est Chanda qui s'est réveillée la première. D'ailleurs, petite précision encore une fois, je n'ai pas parlé du dernier, le petit G, l'enfant âgé de 5 ans au moment des faits, tout simplement parce qu'il n'a joué aucun rôle dans cette affaire. Il était d'ailleurs absent la semaine de la mort, mais il a assisté à beaucoup de choses et il racontera avec ses mots d'enfant ce qu'il a vu aux enquêteurs. Donc, Chanda se lève la première et elle s'en va harceler son fils comme à son habitude,
mais en poussant la porte du placard, elle se rend compte qu'il ne respire plus. Il est mort dans la nuit, de faim et d'hypothermie, comme vous le savez déjà. Alors, Shanda va réveiller Paul pour le prévenir et Paul propose d'appeler le 911, le numéro des urgences. Mais non, non, surtout pas, lui dit Shanda. Ils auront de gros problèmes s'ils font ça. Ils doivent d'abord rendre Timothy présentable. À ce moment, il gît inerte sur sa bâche dans le placard, vêtu d'une simple couche. D'ailleurs, les jours précédant sa mort, on ne l'habillait même plus. Il était soit nu, soit en couche. Alors Paul et Shanda vont déplacer le corps et le mettre sur l'un des lits. Ils lui retirent sa couche et entreprennent de l'habiller. Mais le problème, c'est que Timothy n'a plus aucun vêtement décent. Il n'a que des frusques et de toute façon, comme plus rien ne lui allait, Shanda s'était débarrassée de la plupart de ses vêtements. Et elle n'allait surtout pas dépenser un dollar pour l'habiller. S'il vous plaît. Alors il sera habillé d'un pull à capuche et d'un jean appartenant à Paul. Mais comme ce pantalon est trop grand, Shanda va dire à Paul d'enlever sa ceinture et elle va l'enfiler à Timothy. Et c'est exactement 18 minutes après la découverte du corps, selon Paul, que Shanda ordonnera à Paul d'appeler le 911. Les secours arrivent dans la foulée et la suite vous la connaissez. Shanda va s'empresser de dire que son fils autiste a fait une grève de la faim. Donc les policiers vont filmer les lieux avec leur bodycam, ils vont prendre des photos, ils vont fouiller ça et là la maison. Le corps est envoyé en parallèle pour autopsie et Paul et Shanda, sachez-le, n'ont pas été arrêtés tout de suite. Alors, le soir même, Shanda s'est activée pour détruire des preuves. Une caméra qui n'avait pas été repérée par les policiers, un détecteur de mouvement et plus important encore, une carte mémoire. Allez savoir ce qu'il y avait sur cette carte mémoire. Elle est partie jeter tout ça dehors, à la fenêtre de sa voiture, sur la route qui la conduisait alors chez les parents d'Adam. Elle devait alors récupérer le plus petit. Mais tout ça ne servira à rien, Paul et elle seront interrogés dès le lendemain au poste de police. Paul passera à table, mais pas Shanda. Elle explique qu'elle ne s'est pas rendue compte de l'état alarmant de son fils, qu'elle a fait tout ça pour son bien, dans le but de le discipliner. Et quand on la mettra devant des éléments de preuve qui la confondent, bizarrement, encore une fois, elle ne se souvient plus de rien. Et dès le lendemain, Shanda sera mise en examen, soit 2 jours après la découverte du corps. Paul, lui, sera mis en examen plus tard. D'ailleurs, il postera cette vidéo que j'ai retrouvée, farfouillant, entre-temps, entre le moment où son frère a été retrouvé et le moment où il sera lui-même inculpé. Donc il continuera de rester actif sur ses réseaux. Et à la lumière de tous ces éléments, les journalistes sont immédiatement emparés de l'affaire. Elle a fait scandale aux États-Unis, mais aussi dans le monde entier. Mais l'enquête est loin d'être terminée. Les enquêteurs doivent encore résoudre plusieurs mystères. Déjà, pourquoi Shanda a pris Timothy à ce point en grippe et pas ses autres enfants? Rappelons qu'elle a même caché au reste de la famille qu'il était chez elle. Et pourtant, encore une fois, Timothy était sincèrement aimé de ses frères et sœurs et de ses grands-parents. Il était un peu comme le chouchou à cause justement de sa condition. Eh bien, impossible de le savoir puisque Shanda ne dira rien. Elle se contentera de dire qu'elle l'aimait et qu'elle ne s'est pas rendue compte de tout le mal qu'elle lui causait et palme de la mauvaise foi qu'elle ne savait pas qu'il mourrait de faim. Elle ne s'en est tellement pas rendue compte d'ailleurs, soi-disant, hein, qu'à son procès, comme je vous l'ai dit, l'année suivante, elle vomira à la barre à la simple vue des photos de la dépouille squelettique de Timothy. Mais il y a tout de même une hypothèse qui sort du lot. Et si Shanda considérait ce fils comme une anomalie, une erreur de la nature, n'était-il pas un peu comme la pauvre Rose Kennedy? Pas assez bien aux yeux de ses parents, la pauvre souffrait d'une légère déficience mentale ainsi que de troubles de l'humeur qui a poussé le père Kennedy à la faire lobotomiser à l'âge de 23 ans. Opération sordide qui la laissera handicapée physiquement et mentalement, la laissant avec le niveau intellectuel d'un enfant de 2 ans. C'est comme si le père Kennedy avait essayé de régler une anomalie. Rosemary faisait tache dans le portrait de la famille parfaite. Alors était-ce aussi le cas pour Shanda, après tout? Elle, tout comme le père Kennedy, est particulièrement brillante. En effet,
Après avoir décroché un baccalauréat en sciences para-juridiques, elle a décroché une bourse d'excellence et obtenu son diplôme de droit avec mention au sein de l'une des universités les plus prestigieuses de l'État, la faculté de droit Cooley de l'Université Western Michigan. Et elle était si douée qu'elle recevra avec 6 autres étudiants le prix d'excellence en leadership, prix qui est décerné aux étudiants en droit qui font preuve de leadership de manière, je cite, « cohérente, complète et efficace ». En fait, Shonda Van Der Ark a décroché sans surprise son diplôme haut la main et dites-vous que pendant ses études, elle a participé à des procès fictifs. Elle a même été présidente par intérim de la Delta Phi International Legal Honor Society. Voilà, j'y arrive. Et c'est la plus ancienne organisation juridique encore existante aux États-Unis. C'est quand même marrant de se lancer dans des études de droit sans avoir de sens moral. Avouez que c'est un comble. Et c'est le juge qui lui fera remarquer ça, d'ailleurs. À la suite de l'obtention de son diplôme, elle passera carrément l'examen du barreau, réputé difficile aux États-Unis, auquel nombre d'aspirants avocats échouent à la première tentative. Mais pas Shonda, elle le décrochera là aussi haut la main. Et après l'obtention de son diplôme, elle travaillera comme auxiliaire juridique pour un juge du comté de Muskegon, puis un autre du comté de Niwego, emploi qu'elle a occupé jusque son arrestation. Et elle travaillait plus de 40 heures par semaine pour 19 dollars de l'heure. C'était beaucoup de tâches, de recherche juridique notamment, elle devait sans arrêt faire des rapports, mais ça ne l'empêchait pas, malgré qu'elle soit acculée de travail, ça ne l'empêchait pas pour autant de trouver énormément de temps pour concocter avec Paul les punitions les plus sordides, l'œil rivé sur sa smartwatch entre deux dossiers. Et son parcours prouve qu'elle savait exactement ce qu'elle encourait puisqu'elle a eu son examen d'avocat. Ça veut dire que plutôt que d'être auxiliaire juridique, elle aurait pu tout aussi bien ouvrir son propre cabinet d'avocat. Et elle a eu le mérite de faire ses études sur le tard puisqu'elle validera tous ses diplômes entre 2016 et 2021. D'ailleurs, la famille avait déménagé en 2021, justement, pour se rapprocher du nouveau travail de Shonda. Et c'est pour ça, comme je vous le disais, que les voisins n'ont jamais eu connaissance de Timothy. La famille venait tout juste d'arriver. Ça veut donc dire qu'elle a torturé son fils froidement, en sachant ce que légalement elle risquait. Elle a fait du droit. Elle tentera, bien au moment de son audience préliminaire, de plaider l'irresponsabilité, à savoir que son discernement était aboli au moment des faits, ce que rejettera le psychiatre en charge de l'examiner. Non. Elle n'a démontré, selon lui, je cite, « aucune déficience cognitive ». De son côté, Paul est accusé de maltraitance d'enfant au premier degré. Et lui n'a pas encore été jugé à l'heure où je vous parle, mais les enquêteurs ont indiqué qu'il a été coopératif et qu'il a aidé à faire avancer l'enquête, contrairement à Shonda. Mais le plus triste dans tout ça, c'est que jamais Timothy n'aurait dû être sous la garde de Shonda. Puisqu'en matière de maltraitance infantile, Shonda n'en était pas à son coup d'essai, non. Les enquêteurs ont découvert qu'elle avait fait l'objet, à la suite de diverses allégations de maltraitance portées à son encontre, d'une enquête des services sociaux. C'était entre 2009 et 2011. 3 ans d'enquête. C'était alors qu'elle habitait dans un autre état, l'Oklahoma. À cette période, Timothy était âgé entre 3 et 5 ans. Je ne connais pas le détail, mais à l'issue de leur enquête, les services de protection à l'enfance avaient recommandé que ses droits parentaux lui soient tout simplement retirés. Mais pour une raison qu'on ignore, cette recommandation n'a jamais été appliquée comme il est d'usage de le faire. C'est simplement la première étape avant la déchéance des droits parentaux. À la place, elle va convenir avec son mari de l'époque, Eric Ferguson, que c'est lui qui aura la garde de Timothy et d'autres enfants d'ailleurs, et qu'elle déménagera dans un autre état et qu'elle n'aura plus accès à certains de ses enfants, dont Timothy. Voilà, ne me demandez pas plus de détails. Donc elle a changé d'état, elle a fui comme un lapin, et les services sociaux l'ont oublié, ce qui coûtera la vie 10 ans plus tard au pauvre Timothy. Et comme vous le savez, Eric, le père biologique, fera pression sur Shonda pour qu'elle vienne chercher Timothy, faute de quoi il l'abandonnera. Et ce Eric Ferguson, je trouve qu'il a une sacrée responsabilité dans cette affaire. Il savait de quoi était capable son ex-femme. Parce que pour retirer l'autorité parentale à un parent, il faut que les faits soient graves et caractérisés. Il a envoyé son fils, ô combien vulnérable, dans la gueule du loup sans même s'assurer de sa sécurité derrière. Mais jamais il ne sera poursuivi puisque légalement,
Shanda n'avait pas été déchue de ses droits parentaux, donc elle pouvait le garder, et qu'il n'était pas là tout du long, pendant ces mois et ces mois de torture. Le procès de Chandra s'ouvrira le 13 décembre 2023, et ce sont les presses du pays tout entier qui feront le déplacement. Sachez que les procureurs ne lui ont proposé aucun accord de plaidoyer. Si vous, aux États-Unis, si vous plaidez coupable et que vous êtes coopératif, souvent, eh bien, on vous proposera un accord de plaidoyer. Les deux parties se mettent d'accord sur une peine généralement moins importante que prévue. Ça permet d'accélérer la procédure et de désengorger le système judiciaire aux États-Unis. C'est pareil pour Paul d'ailleurs. Même s'il a d'ores et déjà plaidé coupable, il sera jugé le 26 février prochain, eh bien lui aussi n'a eu aucun accord de plaidoyer. Voilà, le procureur, au vu de l'horreur des sévices, a refusé d'être entre guillemets arrangeant. Et ce qui en a révulsé plus d'un, c'est que Shanda était accusée de meurtre sans préméditation. Alors que pour beaucoup, elle a tué lentement et méticuleusement son fils, se doutant, au vu de son état dramatique, qu'il ne pouvait qu'en mourir. C'était juste une question de temps. Et dès le début, le procureur a annoncé la couleur. Il a d'abord demandé au juré, sous forme de questions rhétoriques, comment il est possible qu'un enfant de 15 ans, qui vit au Michigan, a pu mourir d'hypothermie comme ça en plein mois de juillet. Et il a aussi expliqué au juré, je cite, « Vous allez voir des photographies très explicites, des images qui ne quitteront pas facilement votre esprit. » Lors du procès, Shanda a maintenu qu'elle n'avait pas l'intention de tuer Timothy, qu'elle n'était pas au courant des dommages qu'elle lui causait jusqu'à ce qu'il ne soit trop tard. Le juge est resté perplexe, il s'est tourné vers elle et lui a dit « Mais sans lui, vous n'aviez plus personne à torturer, c'est ça ?» Plus personne sur qui passer vos nerfs et votre frustration. L'avocat de Shanda a déclaré que quelque chose en elle s'était brisé à cause de son enfance difficile. Elle a affirmé que son père l'avait maltraitée physiquement et sexuellement pendant son enfance. Et avant que Paul ne soit appelé à la barre, le procureur avait prévenu les jurés. Il a dit, je cite, « Vous n'allez pas aimer Paul Ferguson. Je n'aime pas Paul Ferguson. Il était le bras armé de l'accusé quand elle voulait qu'un châtiment soit infligé à Timothy, c'est Paul qui s'en chargeait. » Fin de citation. Mais c'est tout le contraire qui va se passer lorsque Paul se présentera à la barre. Et son témoignage est très intéressant, il apporte de précieuses informations sur la dynamique qu'il y avait entre lui et sa mère. Alors certes, il a été le bourreau de son frère, il a activement participé à sa mort, il est donc complice, mais ce que devra déterminer le juge lors de son procès à lui, c'est s'il a agi sous les ordres de sa mère, s'il a été contraint ou manipulé pour faire du mal à son frère et pour ne rien vous cacher. Pour moi, il était coupable, point. Frapper son frère dans un bain d'eau glacée, lui cogner la tête, le traîner par terre, le balancer à Shanda pour un oui ou pour un non. Alors pour moi, c'était simplement un monstre, point. Mais j'ai été surprise en lisant les commentaires sous la vidéo du témoignage de Paul, j'avais pas encore vu la vidéo, hein, qu'une partie écrasante des viewers qui partageaient initialement mon opinion, ont estimé, à la vue des images, qu'il était forcément sous emprise, et qu'il l'est sans doute encore. On pouvait lire des messages du type « Je pensais que j'allais le détester, cet homme. Mais maintenant, je me sens incroyablement désolée pour lui. Il est lui aussi une victime. » Et ce qui leur a fait penser ça, aux Américains, ce n'est pas ce que Paul va dire, mais c'est son attitude à la barre. Elle interpelle. Alors, je regardais à mon tour son témoignage et je trouve qu'ils ont raison. Et je vous invite à aller voir la vidéo. Elle est très facilement retrouvable, cette vidéo, et sachez que même si elle est en anglais, avec la traduction automatique, on comprend tout. Donc désolé pour ceux qui nous écoutent sous forme de podcast, n'hésitez pas à aller voir directement notre vidéo, parce que vous ne pourrez pas voir ce dont je vais parler. Sachez que lorsqu'il arrive à la barre, je trouve qu'il paraît apeuré, il est clairement terrifié lorsqu'il regarde sa mère. C'est flagrant, je vais vous mettre quelques extraits où il jette un regard à sa mère. Attention, c'est rapide. Lorsqu'il l'accuse de choses très graves, il la regarde et il baisse les yeux. Pour beaucoup, il était sous l'emprise de sa mère. Et la plupart des gens pensent même qu'il a peut-être une déficience intellectuelle ou autre. Déjà, rappelons qu'il existe une prédisposition génétique concernant l'autisme, même si les origines de l'autisme sont également multifactoriel. Donc si son frère l'est, il l'est peut-être aussi, mais peut-être de niveau 1. Vous savez, moi, ma meilleure amie, elle est autiste de niveau 1. Et ça, croyez-moi, ça se voit pas tout de suite, mais ça explique énormément de choses. Quant au TDAH, il est héréditaire à 75%.
Donc peut-être que lui aussi, tout comme son petit frère, était touché par, disons, des particularités génétiques, mais dans une moindre mesure. Et je rejoins les Américains. Pour moi, ça paraît évident qu'il a un problème. Paul a du mal à comprendre des questions simples. Il a l'attitude, je trouve, d'un enfant impressionnable et timide qui découvre le monde. Et à le voir, c'est flagrant qu'il est facilement manipulable. Et je doute d'ailleurs qu'il ait l'âge mental d'un homme de 21 ans. C'est son âge actuel. Et ça, je vous laisse vous faire votre propre avis sur la question. Plusieurs frères et sœurs, pour certains demi-frères et demi-sœurs, sont également venus à la barre. Les témoignages les plus notables étaient ceux de Nolan et Millie, qui sont les frères et sœurs biologiques du petit Timothy. Nolan, qui est également le grand frère biologique de Paul, a dit au juge qu'il vivait avec sa femme en Californie lorsqu'il a reçu un appel téléphonique l'informant que son petit frère était mort. Il a expliqué avoir été hébété qu'on ait pu faire du mal à un enfant aussi gentil, et un enfant qui avait déjà son lot de difficultés dans la vie. Il a dit que la vie n'est plus la même sans le gentil petit garçon aux yeux bleus qu'il appelait Tim Tim, que le deuil était impossible pour l'instant et que chaque jour est un défi permanent. Il est rongé par la tristesse et la culpabilité. Il a dit « J'aimerais toujours Timothy comme je l'ai toujours aimé. Et si je ne peux pas récupérer mon frère, alors elle ne devrait pas retrouver sa liberté » en parlant de sa mère, dont il n'était pas du tout proche d'ailleurs, comme tous. Quant à Millie Ferguson, l'une des grandes sœurs de Timothy, elle avait des rapports privilégiés avec son petit frère. Elle a dit « C'était mon travail de le protéger. Et je n'ai pas pu le protéger quand il en avait le plus besoin. » Et oui, il s'avère que Millie a dû s'éloigner pour ses études, mais aussi et surtout, elle s'était brouillée avec Shanda et Paul. Elle exprimait son regret de ne pas avoir mis de côté ses différends avec sa mère et Paul, afin de pouvoir prendre des nouvelles de Timothy. Elle regrette aussi de ne pas l'avoir serré dans ses bras une toute dernière fois et de ne pas lui avoir dit à quel point elle l'aimait la dernière fois qu'elle l'a vu. C'était au mariage de Nolan. Elle est néanmoins heureuse d'avoir pu passer toute cette journée avec lui à rire et à s'amuser. Elle a dit que ce que Shanda a fait est irréparable et qu'elle ne devrait jamais sortir de prison. Et elle veut que le monde entier sache que Timothy était aimé. Le procureur, Matt Roberts, a déclaré au jury qu'il s'était fait un devoir de se tenir aux côtés des frères et sœurs de Timothy pendant qu'ils livraient leur déclaration. Il a dit que Shanda n'a jamais levé les yeux une seule fois vers ses enfants pendant qu'il parlait. Il a ajouté qu'elle avait cessé de considérer ses enfants comme des êtres humains. Ils, je cite, « ne sont que des objets à ses yeux, objets dont elle se sert à sa guise. » Et n'allez pas croire qu'elle aime Paul, que c'était son foufou. Pas du tout. Elle le méprise lui aussi, c'est un raté à ses yeux. Mais un raté bien pratique pour faire le sale boulot à sa place. Et comme il était terrorisé par sa mère, qu'il avait peur d'être puni, eh bien il faisait tout et plus encore pour ne pas provoquer sa colère. En sachant que ça n'excuse pas tout, on est d'accord. Et puis comme je vous l'ai dit, cette affaire sera littéralement propulsée, davantage encore qu'elle ne l'était, lorsqu'elle vomira à la barre. Et puis d'ailleurs, pendant ce procès, on n'apprendra rien de plus d'elle. Lorsque par exemple, elle a été interrogée au tribunal au sujet des SMS, elle a répondu qu'elle ne s'en souvenait pas ou qu'elle ne le savait pas. Ça, je vous l'ai déjà dit. Et au moment d'annoncer le verdict, le juge Cassel a montré à la cour la photo d'un Timothy souriant et en bonne santé. Et il a déclaré qu'il avait choisi de ne pas se souvenir de lui, je cite, « mort, ressemblant à une victime de l'Holocauste », mais de se souvenir plutôt de lui comme d'un bel enfant avec beaucoup de vie dans les yeux. Et il a ajouté, je cite, « j'ai essayé pendant toute cette affaire de comprendre comment quelqu'un a pu faire quelque chose d'aussi horrible, non seulement à un autre être humain, mais aussi et surtout à son propre enfant. Vous avez intentionnellement et systématiquement torturé votre enfant. Vous avez torturer cet enfant. Appelons les choses par leur nom. C'est de la torture pure. Vous avez torturé votre enfant. » Fin de citation. À la suite de quoi elle sera condamnée pour meurtre sans préméditation, à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Elle a également été condamnée à une peine supplémentaire allant de 50 à 100 ans pour maltraitance d'enfant au premier degré. Voilà. Désormais, c'est à son tour d'être au placard. Mais elle a de la chance, on ne l'obligera pas à traîner en couche-culotte menottes au poignet. Et sachez pour la petite histoire que peu de temps après son arrestation, en juillet 2022, son mari, Adam van der Ark, est tombé des nues. Elle n'avait jamais osé faire tout ça lorsqu'il habitait encore avec elle, tout simplement parce qu'il ne l'aurait jamais
laisser faire. Et ça, Chanda l'avait bien compris, puisque rappelons-le, c'est à son départ qu'elle s'est déchaînée. Adam a immédiatement demandé le divorce et la garde complète du petit dernier de la fratrie, qui est son fils biologique, le petit G, qui est désormais âgé de 7 ans. Mais le petit garçon est depuis orphelin, car Adam van der Ark est décédé entre-temps. Il ne s'est jamais vraiment remis de son AVC, sans compter sa leucémie. Ça faisait des années qu'il était très malade. Il décédera l'année même de la découverte du corps de Timothy, et son fils biologique a depuis été recueilli par d'autres membres de la famille. Je pense ses grands-parents. Voilà, ça veut dire que Timothy aurait pu être sauvé, mais il a joué de malchance. Il ne serait jamais retourné chez sa mère si le dossier de Chanda chez les services sociaux n'avait pas été oublié. Et il est aussi à parier que si Adam n'avait pas fait d'AVC, Timothy serait toujours en vie. Et pareil, si la famille n'était pas autant dispatchée dans le pays, si Chanda s'était pas brouillée avec tout le monde, il aurait pu être sauvé. Entre les frères et les demi-frères, sachez qu'il y avait donc Nolan, Millie, mais aussi une certaine Chelsea, un certain Kenzie, un certain Xavier et un certain Chris. Imaginez. Et tous ces enfants n'avaient aucune animosité, aucune, envers leur petit frère. Bien au contraire. Et je vais terminer cette rude histoire par un commentaire que j'ai lu. Le voici. Et je vais y revenir encore un peu plus tard après. Tout cela me fait penser à tous ces enfants torturés qui souffrent en ce moment même sans que personne ne le sache. C'est un véritable crève-cœur. Alors les amis, si vous êtes victime ou témoin de violence, il faut absolument se manifester. N'hésitez pas à composer le 119 qui est le service national d'accueil téléphonique de l'enfance en danger, ici en France en tout cas. Il faut garder l'œil ouvert. Il y a peut-être un enfant autour de vous qui n'attend qu'une seule chose, qu'on le remarque et qu'on lui tende la main. Voilà. Alors déjà, félicitations à ceux qui sont restés jusqu'ici. À mon avis, beaucoup n'ont pas pu aller au bout de cette histoire. Je le sais parce que pour des histoires moins difficiles, beaucoup me le disaient déjà en commentaire. Et pour une fois, et ce sera la seule fois, je vais vous demander de faire une chose. Je vais vous demander de mettre un emoji fleur en barre de commentaires, celui que vous voulez, pardon. Quand on vous demande ça, généralement, on vous dit « je suis curieux de voir qui est allé jusqu'au bout, hihi ». Mais sauf exception, c'est souvent une astuce pour améliorer le référencement de la vidéo. Mais ce sujet, je trouve que c'est l'un des plus durs que j'ai eu à traiter. Alors j'aimerais voir si vous êtes nombreux à avoir lâché en cours de route ou à l'avoir suivi. On a un public qui est plutôt mature et qui a la réputation d'être aguerri, qui a l'habitude des faits divers. Alors vous, qui aviez tout vu, tout entendu, est-ce que vous avez pu écouter, ne serait-ce qu'écouter, ce qu'un enfant sans défense a lui dû vivre? Et vous verrez, je vous redemanderai plus de mettre un emoji. C'est vraiment pas une astuce, je vous demande de me croire. L'un de mes combats, et je vous expliquerai peut-être un jour pourquoi, c'est de sensibiliser à la maltraitance infantile. Et quand la réalité est cruelle et qu'elle concerne des enfants, il faut savoir la regarder en face et ne pas édulcorer les choses. Vous avez vu, j'ai rien bipé. Ce qu'a vécu Timothy, d'autres enfants sont en train de le vivre actuellement. Et si je fais toutes ces vidéos, et croyez-moi, elles ne rapportent que des cacahuètes, pour ça qu'à l'occasion, je mets un partenaire dessus. Si je le fais, si je vous parle autant d'enfants martyrs, la petite Opelika, d'ailleurs il y a eu du nouveau sur elle, le petit Timothy, ou encore Marc, et tous les autres, et régulièrement, comme des petites piqûres de rappel, c'est pour que vous ayez toujours en tête qu'on doit être vigilant. Comme je vous le disais, un enfant est peut-être en train de souffrir autour de vous, sûrement même, d'ailleurs, vu les statistiques affolantes. Alors si vous avez un doute, comme on dit, c'est qu'il n'y a pas de doute. Il ne faut pas hésiter à tirer la sonnette d'alarme. Parfois, ça se joue à rien. Regardez l'exemple de Timothy. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à consulter nos podcasts sur toutes les plateformes et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker cette vidéo si le cœur vous en dit. Quant à moi, je vous dis à très vite sur YouCrime pour une autre triste histoire, les amis.